RCF. Être parent, c'est un véritable métier. Pourtant, nous ne sommes généralement pas formés pour cette mission. Comment savoir ce qui est bon pour nos enfants Quelle éducation allons-nous leur donner Agathe Gomé, vous êtes formatrice en discipline positive et vous nous proposez aujourd'hui de réfléchir ensemble à ce que nous souhaitons transmettre à long terme à nos enfants. Effectivement, prendre le temps de se poser et de réfléchir à ce que nous souhaitons transmettre à nos enfants est essentiel. Alors dans les ateliers de discipline positive, on commence généralement par établir deux listes avec les participants, deux listes de référence. Dans un premier temps, nous leur demandons quels sont les défis et les difficultés que vous rencontrez au quotidien avec vos enfants. Alors voici un exemple de liste proposée par des parents. Le manque de respect envers les adultes et les affaires, les moqueries, l'insolence, être obligé de répéter, les conflits dans la fratrie, les mensonges, les devoirs, les écrans, le coucher. Alors je ne vais pas tout vous lire. Hein. En général, on s'arrête quand il n'y a plus de place sur la feuille. Alors comme vous pouvez le constater, on est tous confrontés aux, aux mêmes difficultés. Euh, voilà, ça permet déjà de voir que euh, dans, dans les groupes de participants, il n'y a pas de jugement en, en, envers les, les uns envers les autres. Euh, on est tous dans le même bateau. Et comme on dit souvent en discipline positive, ayons le courage d'être des parents imparfaits. Ensuite, nous demandons aux participants une deuxième question. Quels sont les talents et compétences de vie que vous souhaitez transmettre à vos enfants Alors Voici une liste proposée par les mêmes parents que précédemment. Le respect de soi et des autres, la tolérance, la curiosité, la confiance, l'honnêteté, l'humour, l'écoute de l'autre, la persévérance, la générosité, l'autonomie, le sens des engagements et des responsabilités, la spiritualité, la créativité. Là encore, la liste peut être très longue. Alors cette deuxième liste de compétences et de talents, c'est notre GPS. Hein, c'est ce que l'on souhaite à long terme pour nos enfants. C'est un beau programme, mais je remarque euh, dans ce grand mélange de valeurs que les compétences académiques scolaires ne sont pas citées. Alors effectivement, les participants ne nous sortent jamais savoir cette table de multiplication ou euh, savoir poser une division à quatre chiffres. Là, en fait, ce que, ce que les parents ressortent et ce qu'ils souhaitent à long terme, hein, les parents, les enseignants, les éducateurs, c'est vraiment le développement de compétences psychosociales, émotionnelles chez nos enfants. Euh, et d'ailleurs, en général, si ces compétences euh, sont suffisamment développées, les compétences scolaires euh, suivent. Par contre, on peut faire un petit comparatif. C'est qu'on prend souvent le temps euh, euh, d'enseigner de, les compétences académiques à nos enfants. L'étape de multiplication, on commence en CE1, CE2, CM1, CM2, 6 cinquième, 5 on révise encore. Après, on passe au verbe irrégulier en anglais euh, jusqu'en terminale. Ça, on fait bien répéter. Mais prend-on le temps des apprentissages pour les compétences psychosociales on, voilà, on espère souvent que le respect, ça va être acquis à 5 six ans. Ben non, c'est un apprentissage sur le long terme. De même, ranger sa chambre, ça s'apprend étape par étape. Et puis, il est important aussi de partager ce, son cap éducatif avec ses enfants. Je pense à une étude américaine qui a été faite sur 3000 adolescents de 14 à 17 ans. On leur a demandé hiérarchiser leurs priorités en fonction de, des critères suivants. Alors, avoir des amis, avoir de bonnes notes, être populaire ou être équilibré. Alors, les, les adolescents ont en majorité répondu euh, en premier avoir des amis et euh, être populaire. On a posé la même question à leurs parents. Eux ont répondu principalement euh, que, que leurs enfants soient équilibrés et qu'ils aient des amis. Et ensuite, on a demandé aux adolescents ce qu'ils pensaient que leurs parents avaient répondu. Et là... La réponse, c'était avoir des bonnes notes. Je vous, je vous encourage à partager votre cap éducatif avec vos enfants et attention aux questions habituelles au retour de l'école. Comment ça s'est passé ta journée? Tu eu de bonnes notes? Et ton devoir de maths et pour demain? Ton contrôle, etc. Vous voyez de quoi je parle? Oui, je, je vois à peu près. <laughs> J'ai dû passer par là il y a quelques temps de ça. En discipline positive, vous avez euh, une, liste, une liste spécifique de talents et de compétences que vous conseillez? Alors, la liste élaborée là par les parents euh, est généralement Très proche de celle de la discipline positive. Euh, on pourrait compléter la liste précédente avec euh, la coopération, l'autorégulation, l'autodiscipline, le goût des apprentissages et puis la résolution de problèmes, la recherche de solutions. Alors, euh, lors des ateliers, nous utilisons toujours la liste établie par les parents ou les enseignants euh, au départ et nous y faisons constamment référence. Lorsqu'on fait des mises en situation, on demande aux participants qu'a joué le rôle de l'enfant, de... quels sont les talents et compétences de la liste qu'il a pu développer. Et ça, ça, permet aux participants de prendre conscience des effets à long terme de notre mode d'éducation. Et que faites-vous avec la liste des difficultés Alors, en discipline positive, les difficultés sont des opportunités d'apprendre les compétences sociales essentielles. Lorsqu'on rencontre une, une difficulté, on peut se poser la question quelles compétences manque-t-il à notre enfant Et on, on profite de cette difficulté pour développer la compétence manquante. Alors par exemple si notre enfant fait des colères, ben on peut l'aider à développer l'autorégulation en lui proposant un temps de pause ou des petits exercices de yoga, de méditation. Jane Nelson, la fondatrice de la discipline positive, dirait il fait des colères, chouette, ça va être une occasion d'apprentissage. Oui, c'est une bonne façon de voir les choses à condition peut-être de ne pas être trop fatigué quand même. Et quand il y a des désaccords dans le couple concernant l'éducation des enfants. Alors là, je vous invite vraiment à prendre le temps dans le couple de vous poser et de réfléchir à ces deux listes. Les difficultés du quotidien avec nos enfants et les, compé les compétences que nous souhaitons développer chez eux. Euh, vraiment prendre le temps d'établir cette liste, de s'accorder en tenant compte de l'histoire de chacun, de son parcours, de son caractère. Euh, un petit exemple personnel. Moi, mon mari euh, souhaite que mes enfants aillent à la cantine parce qu'à la cantine, c'est là que euh, se vit euh, la vie d'un enfant. Moi, je trouve ça très bien qu'ils rentrent à la maison, au calme, avec leur maman. Donc, euh, bah voilà, ils vont, nos enfants vont euh, à mi-temps à la cantine et mi-temps à la maison. Euh, euh, voilà je vous invite aussi euh, à revenir régulièrement sur cette liste de vous poser la question voilà où est ce qu'on en est euh, dans, dans, dans le développement des compétences de notre enfant en cas de désaccord de se référer à ces listes et puis définir le cap éducatif peut aussi nous aider face aux commentaires voire aux critiques de notre entourage la famille les amis euh, sur notre façon d'éduquer les enfants quand on sait ce qu'on veut à long terme pourquoi on le fait euh, nous pourrons plus spontanément réagir malgré le regard des autres. Agathe Gomet, dernière question, comment peut-on développer les compétences psychosociales chez nos enfants Déjà, la meilleure façon d'éduquer nos enfants, c'est d'être modèle de ce que nous attendons d'eux, même lorsque nous sommes fatigués ou stressés. Alors, montrons l'exemple, ou en tout cas, essayons, comme je disais tout à l'heure, ayons le courage d'être des parents imparfaits. La démarche de la discipline positive nous aide, euh, nous adultes et nos enfants, à progresser de la première liste des difficultés à la seconde des compétences. Euh, et puis nous aussi, euh, parents, utilisons euh, nos difficultés pour en faire des situations d'apprentissage. Un petit exemple pour illustrer ce propos. Quand nous perdons patience et que nos mots dépassent nos pensées, bah, profitons-en pour euh, enseigner à nos enfants le pardon et la réparation. De plus, la discipline positive propose un certain nombre d'outils pour développer chez nos enfants ces compétences psychosociales. À nous d'aller piocher dans cette boîte à outils. Par exemple, je vous ai cité précédemment le temps de pause, les exercices de yoga, le pardon, la, ré la réparation. Je vous souhaite une bonne réflexion au sujet de votre cap éducatif et une bonne route sur les chemins de l'apprentissage.